je ne crains personne. J'ai chanté au grand stade de France de vos impôts. À Saint-Denis, je reviens de Vegas, j'ai chanté à Vegas. Moi, je ne suis pas comme Jean Ferrat qui chante Aragon. Moi, si tu veux, personnellement, je préfère chanter à Vegas qu'Aragon parce que c'est plus loin. Mais je crois quand même qu'il faut remettre les pendules à leur place. Parce que je crois que l'important dans la vie, c'est surtout d'avoir la rock'n'roll attitude. Mais en ce moment, je ne peux pas l'avoir parce que j'ai un problème, c'est que y a des gens qui me prennent pour un con. Par exemple, souvenez-vous de mon album d'avant, de celui de maintenant, ce qui me faisait chanter Pascal Obispo, souvenez-vous. Ce que je sais, c'est que je suis là. Bah oui. Ce que j'en sais, c'est que j'en suis là. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que je dois savoir. Encore heureux. Et c'est la seule rue qui mène quelque part. Vous avez compris quelque chose, vous? Moi, rien du tout! Alors, je m'ai écrit une chanson. Moi-même, tout seul, pure vue! Rien que pure vue! C'est une chanson rock'n'roll qui est une reprise. Disons que je l'ai reprisé. C'est donc une chanson que j'ai reprisée qui est une chanson adaptée d'un succès lui-même rock'n'roll de Fernandel qui s'appelle Félicie aussi. Vous la connaissez? Moi aussi! Sinon, je ne l'aurais pas reprisé. Surtout que c'est une chanson qui a une part à colira, partie calirote, porta caliri, partie calirote, porta que. Wow! C'est une chanson qui se chante. Qu'est-ce qui est déjà bien pour une chanson? Mais c'est surtout une chanson qui se chante en groupe. Le groupe, c'est la file de tout le monde, de l'Olympia. Alors, il y a quelque chose qui me ferait vraiment très beau cul du plaisir, ce serait que vous la reprisiez avec moi. Vous êtes d'accord? Oh, c'est mu! On se sécu! Vous êtes d'accord? Moi aussi! Sinon, je ne vous l'aurais pas demandé. Alors voilà comment qu'est-ce que ça va se passer. Écoutez bien. Je dirai et Johnny, parce que je m'appelle Johnny. Si je m'appelais Robert, ça ne marcherait pas. Parce que tu disais, et Robert, les gens ne comprendraient pas. là donc je dirais et Johnny. David qui est là, qui a la rock'n'roll attitude et qui s'appelle comme mon fils. Si on l'avait appelé Marcel, il ne s'appellerait pas comme mon fils. Et comme le Christ. Donc je reprise. David qui est tubuclé, qui a une belle chicrute sur la tête. Et qui la semaine dernière s'était laissé pucer le buc pour ressembler à Johnny.
Mais comme il n'y a que un Johnny, il a cupé le bec. Et la chèvre, elle n'est pas contente du tout que le bec soit cupé. Oh, la pauvre biquette. Vilain. Je reprise parce qu'on a perdu le fil du rasoir. Je dirais, et Johnny. David, sur son piano, il fera ploum ploum. Et vous, vous répondrez ? Ensemble. Ben, vous répondrez pas. Ensemble. Vous répondrez aussi ensemble. Comment je vais m'en sortir là ? Je crois que le mieux c'est de faire un essayage, hein. Hey Johnny ! Il y en a qui ont dit ensemble. Eh bien, on n'est pas arrivé au but, hein. Ça fait rien, je tente le cul. En deux mots, trois mouvements, c'est une chanson qui parle à la fois de ma femme et de ma moto. Rock and roll. Vous êtes là ? Oui ! Moi aussi ! Finalement, je vais mettre comme ça parce que j'ai un petit peu mal aux genoux. Oh, j'ai un épanchement de sinusite. Oh. Ma moto, quand je l'ai achetée, elle venait d'être purgée. Et Johnny ? Oui ! Cette moto était pas moche. Elle avait deux grosses sacoches. Et Johnny, quand j'ai allumé le feu, elle a fait une trace de pneu. Et Johnny, oui, tout ça parce qu'il y avait une tuile, c'est que la moto perdait de l'huile. Et Johnny, deuxième couplet. J'ai donc rencontré le grand amour de ma vie. Comment elle s'appelle déjà ? Passez-moi un Paris Match. Hein ? Ah oui ! La tia-tia ! J'ai donc rencontré la tia-tia. Et vous savez ce que c'est quand on rencontre une jeune femme de 13 ans. On l'invite à manger un but ou à boire un cul. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait. Oh. Je l'invitais à dîner. Le resto était bourré. Et je l'ai... Rock'n'roll. Je lui ai pris le poireau aux vinaigrettes. Mais il sentait les rillettes. Et je l'ai... Mais les rillettes aussi. Oh, tard. Le fromage qui avait des mûches était mulé à la luche.
Usually. Oui. Mais là, il y a eu un petit problème. C'est que, comme on avait bien mangé, si tu veux, surtout moi, voilà ce qui s'est passé. Comme j'étais subudiné. Le buton de Montbénuse. Il a pété. Johnny. Wow, si. Rock and roll.